Je suis ici avec Scott Reeves, un des fondateurs des boutiques Access. Écoute, Scott, 10 ans d'Access Lobstar. Ça a commencé comment, cet événement-là? L'Access Lobstar, dans le fond, ça a commencé la première année qu'on a ouvert la boutique ici à Saint-Sauveur. Dans le fond, c'est fait ouvert un budget de compétition par Molson, non Saint-Sauveur. Puis depuis ces années-là, ben, ça a juste pris de l'ampleur. À toutes les années, il y a de plus en plus de monde. Et surtout maintenant, la relève, les jeunes. Que de plus en plus frisky, vous étiez pas mal innovateur dans le temps, puisque Access a été une des premières boutiques spécialisées en frisky. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ce sport-là au cours des années? C'est incroyable. Justement, on en parlait tantôt, là, 10 ans, c'était la majorité des snowboarders. Après ça, c'est sur les skis qui suivaient. Puis vraiment, la balance a tripé de bord. Puis aujourd'hui, on a pris deux fois plus de skis que de snow. Avec Dom Laporte en train de fêter présentement. Pourquoi? Parce que c'est le chess officiel du Access Slopestyle 2012. Comment ça va, Dom? Ça va bien, la studio. Ben pourquoi pas? Après une victoire comme ça, ben 2000$ en poche, on peut se le permettre. Dom, t'as eu toute une saison. On t'a vu dans plusieurs vidéos jusqu'à maintenant. T'as voyagé pas mal, t'es en Californie entre autres. Ça va bien ta saison jusqu'à maintenant? Ouais, ben là, il y a eu toutes les premiers Real Jam Québec. Ici, il y en avait une coupe à Montréal, toutes, les trucs pro-am. Fait que là, ben j'ai fait 6 premières places, ça a bien été. Une coupe de deuxième place, troisième place. Puis là, ben. Je reviens de Cali, je gagne première place, un petit 2000 en banque de plus, y a rien de mieux, un petit voyage de plus, question de vivre la vie à fond. Hein.